Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont froid du fait de la clim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais il faudrait demander qui a chaud aussi. C'est que ça, c'est qui dit a chaud. Alors, on ne bouge pas. Majorité absolue, on ne bouge pas. Voilà, alors avec le père Samir, c'est aussi une vieille connaissance, si on peut dire, à peu près 30 ans, comme pour Mgr Sleiman. Je veux juste dire un petit souvenir qui, je crois, est à l'origine d'une vraie amitié entre nous. C'est très provençal. Un jour, j'étais à Beyrouth, le père Samir me dit « D'où est-ce que vous êtes ?»« Saint-Rémy-de-Provence. Oh, »« Saint-Rémy-de-Provence, mais c'est à côté de Mayanne. » Quand je faisais mon noviciat à la Baume, à côté d'Aix, j'allais à Mayanne. J'ai visité l'église paroissiale, Sainte-Agathe, et je passais la nuit à la Belle Étoile, sous la grande croix de mission qui est sur la place de cette église. Et j'ai énormément aimé Frédéric Mistral, etc. Et je l'ai lu dans les bibliothèques du Caire, c'est bien ça. Hein, en provençal. En bilingue, provençal français. Alors, il y a beaucoup Frédéric Mistral, voilà, mais il n'y a pas que ça, bien entendu. Donc, le père Samir, vous avez... quelque chose sur votre programme, mais il n'est pas dit peut-être qu'il est à l'origine de la fondation d'un centre très important, CEDRAC, Centre d'études, de documentation et de recherche arabe chrétienne, qu'il a fondé à Beyrouth, et donc juste à côté de dans le bâtiment de la résidence des pères jésuites, à côté de l'université Saint-Joseph. C'est un centre unique en son genre. Le père Samir a recherché, collecté des documents très très anciens sur le christianisme oriental, plusieurs langues, etc. Ça, c'est vraiment un apport extraordinaire du père Samir à la science et à la connaissance du christianisme du Proche-Orient. Puis il est très connu comme islamologue, bien sûr. Il donne des conférences dans le monde entier, il a écrit plusieurs livres, etc. C'est une pensée très sûre dans le domaine de l'islam. Voilà, je m'arrête là. Merci Annie. Oui. Le titre qui est proposé, c'est « Situation actuelle des chrétiens d'Égypte ». Deuxièmement, « Avons-nous une mission envers les musulmans ?» Et ceci me dicte deux parties. J'essaierai de développer l'une et l'autre. Quelle est la situation actuelle en Égypte ? En Égypte, d'abord, nous avons environ, les chiffres sont fluctueux un peu, 90 millions d'habitants. Là-dessus, on estime qu'il y a 9 millions de chrétiens, c'est-à-dire 10 millions. On les appelle coptes. Coptes, en arabe, se dit gypti, en arabe de Haute-Égypte, gypti, et vous reconnaissez le mot égypti, égyptien. C'est-à-dire quand les Arabes, en 639, sont entrés en Égypte, ils ont demandé aux gens « Qui vous êtes ?» Ils ont dit « Égypti ». Comme ils étaient tous chrétiens, les chrétiens d'Égypte s'appellent coptes, Égypti. Maintenant, il y a d'autres petits groupes qui, au cours du 19e siècle, 20e, sont venus se joindre aux coptes en Égypte, mais en gros, c'est cela. Et les coptes, les chrétiens d'Égypte, vous avez environ 200 000 coptes protestants, 250 000 coptes catholiques, et donc 8,5 millions, un peu plus, de coptes orthodoxes. Quand on dit coptes, on pense d'abord les coptes orthodoxes avec le patriarche Tawadros II, qui vient d'être élu il y a 2 ans suite à la mort du patriarche Chenouda III. Tout le monde reconnaît en Égypte que les Coptes sont les Égyptiens par antonomase. Enfin, c'est eux les Égyptiens. Les musulmans sont la plupart des Coptes devenus au cours des 14 siècles sont devenus musulmans. Ils sont devenus musulmans parce que le système musulman est tel qui est à la fois
une société, une religion, une foi, une société et un régime politique est fait de telle sorte que automatiquement il ne peut que se développer au détriment du reste de la population. Puisque, d'une part, par le mariage, il n'y a pas de mariage possible entre une musulmane et un chrétien ou un non-musulman. Il faut obligatoirement, même en France, que l'homme se convertisse officiellement à l'islam pour qu'elle puisse l'épouser. Et parce que c'est l'autorité paternelle, les enfants, même si vous les baptisez, sont musulmans pour la loi islamique, puisqu'ils sont de pères musulmans. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas être de pères chrétiens, par le fait même, la femme chrétienne peut épouser un musulman et rester chrétienne. Elle est chrétienne, mais ses enfants deviennent musulmans. Et donc, génération après génération, quand les armées musulmanes entraient dans un pays, ils prenaient comme épouse les femmes du pays, et donc l'islamisation va avant, progresse. Et l'autre motif, c'est la conversion de chrétiens qui, voulant avoir un poste dans le gouvernement ou n'importe quoi, ministre ou bien directeur de quelque chose, en tant que chrétien, la plupart du temps, c'était au moins difficile, sinon impossible. Mais on lui disait, tu te convertis à l'islam, tu continues d'aller à l'église si tu veux, pas de problème. Mais la génération d'après est musulmane. Et donc, c'est un système juridique très bien conçu pour intégrer toujours plus l'autre, quel qu'il soit, et développer l'islam. Outre le fait qu'aujourd'hui, comme il pousse beaucoup, les familles sont plus nombreuses. Mais ça tient non pas à la religion, mais au fait que plus on devient, plus on étudie et plus on est riche, moins on veut d'enfants pour maintenir un certain niveau. Enfin, c'est pas à vous que je vais le dire, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe en Europe. Heureusement qu'en France, il y a 6 millions de musulmans pour maintenir la démographie. C'est un aspect, disons, comptable du système. Donc ça, c'est la situation. Les rapports entre musulmans et chrétiens en Égypte au cours de l'histoire passent par des hauts et des bas. Quand on a besoin d'eux, ou quand le calife ou le roi est ouvert, ils sont les bienvenus. Les médecins seront les médecins des califes, etc. Ça a duré des siècles à Bagdad, par exemple. Et il faut dire qu'il y avait un motif, c'est que jusqu'au Xe siècle, la majorité de la population au Moyen-Orient était encore chrétienne. On estime, les historiens démographes estiment que c'est au tournant de l'an 1000 qu'a commencé à s'inverser la proportion, un peu partout au Moyen-Orient. Donc une situation qui, selon les circonstances peuvent être que l'Europe ayant attaqué les musulmans quelque part, on se venge sur les chrétiens locaux, qu'on va jusqu'à nos jours, beaucoup de gens vont penser que les chrétiens d'Égypte, par exemple, sont de connivence avec l'Occident qui est vu comme chrétien. On a beau leur dire que l'Europe aujourd'hui, ou l'Occident plus généralement, à très peu de christianisme. On me dit que la proportion de ceux qui se disent pratiquants, c'est-à-dire qui vont le dimanche à la messe, est de 5%, 7% selon les pays, 10% dans les meilleurs des cas. Pour eux, l'Occident est chrétien. La situation a été... Le monde musulman a profité énormément
de la présence des chrétiens, la grande période de florissance de l'islam, du monde musulman, est entre le 8e, 9e siècle et le 12e siècle. Mais qui a permis cette efflorescence? Ce sont les chrétiens syriaques. Il faut bien se dire que quand on dit l'influence de la philosophie musulmane sur l'Occident, toute la discussion, vous avez pu en entendre parler de Guggenheim et de son livre à propos de le Mont Saint-Michel, pour dire que l'Occident n'a rien appris de l'islam, bon, et il y a eu des réponses, etc. C'est un fait que qui c'est qui a introduit la science, les mathématiques, la géométrie, la physique, l'astronomie, la philosophie, surtout la pharmacopée, la médecine? Qui l'a introduit au monde musulman? C'est pas l'Esprit Saint. C'est venu à travers les Syriaques, les chrétiens syriaques, qui avaient tout traduit du grec, l'hellénisme étant la culture tout court. Ils ont traduit tout ce qui était, tout ce patrimoine hellénistique en syriaque dès le 6e siècle. Et un petit peu encore après, jusqu'au 8e. Mais en gros, c'était déjà fait au 6e, avec Sergios de Rachaina, qui est en Syrie aujourd'hui. Et ensuite, Hunayn ibn Ishaq et son fils, bon, et son neveu. Ils ont tout traduit ensuite du syriaque en arabe. Et au 9e, 10e siècle, les chrétiens, Melkite et autres, ont traduit, ont recontrôlé le texte arabe sur l'original grec pour avoir une seconde version plus, qui collait davantage au texte original. Et c'est comme ça que le monde musulman, qui était simplement arabophone ou persan, parce que beaucoup de savants qu'on dit arabes sont arabes de culture. Quand on dit arabe, c'est la culture. Il n'y a pas de race arabe, sinon chez les animaux. Mais le concept d'arabe n'est pas ethnique, il est culturel. En ce sens, nous disons, moi je dis, je suis un chrétien arabe. Et le musulman n'est pas plus arabe de souche que moi. Il est peut-être copte ou ce que c'est, ou melkite ou autre. Bon. Alors, ils ont tout passé, et les savants musulmans se sont mis à l'école des chrétiens syriaques. Je pourrais citer des dizaines de cas, mais ils sont bien connus. Tous les médecins des califes, et notamment du harem, étaient jusqu'au XIIe siècle encore chrétiens, quelques-uns juifs. Par exemple, Maïmonide, quand il est chassé, le grand Moïse Maïmonide, le grand penseur juif qui a écrit dans tous les domaines, mais notamment en philosophie, il a écrit en arabe. Sauf pour les questions juridiques hébraïques. Mais autrement, sa production est en arabe. Maïmonide, chassé de l'Espagne, va fuir en Égypte, pays d'accueil. Il va être le médecin privé de Saladin. Et va demander comme faveur, en tant que médecin du calife ou du roi, d'être enterré à Jérusalem, qui dépendait de l'Égypte. Et il lui accorde cela et on transporte sa mort, il est enterré en Palestine.